Eh bien, salut tout le monde les amis, on se retrouve pour le shift Uberit numéro 50. On continue notre route vers les 100 vidéos, enfin le 100e shift Uberit. Donc là on est parti pour une première commande à Carrefour Contact, les amis. Donc on va aller la faire tout de suite. Très rapidement, efficacement, tout ce que vous voulez. Et après on va foncer vers Lille, donc il est 19h30, on commence cette journée, en tout cas cette soirée pour ce qu'il en reste plutôt. Donc les amis, je vais acheter la commande tout de suite et puis on se retrouve dans un instant. Hop là. Bon bah les amis, on est parti pour cette toute première livraison. Est-ce que je mets du chauffage? Bon allez, on va mettre un peu de chauffage quand même. Question de chauffer un peu, il fait pas froid dehors, il fait 9. On a bien augmenté la température à Lille. Là on livre pas très loin, hein, dans le quartier juste derrière. C'est comme on a marqué en parole. Ça change d'hier, hier c'était la folie. Hier j'ai fait 240 euros hier. Oui, ça m'a l'air beaucoup plus calme. On va voir ça les amis. Mais bon. J'ai l'impression que vu qu'il y a eu plein de commandes hier, les gens vont moins commander aujourd'hui. On verra bien. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. Parce que moi ça va vraiment impeccable. Je travaille bien en ce moment. J'ai pas mal de choses assez positives dans ma vie, on va dire. Donc ça va. Donc là nous on est parti pour cette nouvelle soirée de livraison, hein, écoutez, et puis espérons qu'elle soit bien. Je serais cherché un mot un peu plus compliqué mais j'ai pas trouvé. Si on peut essayer de faire 40 euros en vidéo, ce serait pas mal, on va vite voir ça. J'espère que ça le fera. Bon, du coup là avec cette commande là on sera déjà à un peu plus de 4 euros. Bon, écoutez, ça c'est une commande assez rapide à faire alors. Alors ça va du coup. Ça va et toi? Ouais. Hop. Merci pour cette livraison un jour. S'il te plaît. T'as pas besoin du code? Si, s'il te plaît. 79,95. Alors, attends, 79,95. Si tu me notes bien, c'est mieux. Parfait, merci beaucoup. Bonne soirée. Allez, bonne soirée, merci. Eh ben, c'est bizarre de livrer des gens que je connais en fait. C'est ça, ça qui est drôle. Cette personne, je la connais. J'étais au collège avec, je me sens content, mais ça me fait assez drôle de les revoir après tant d'années. Bon, en tout cas, dans cette zone, ça n'a pas l'air de tourner. Hein. On va rester là longtemps. Alors, on va rester là. On va surtout aller à Lille. D'ailleurs, mon manteau, il fait plein de bruit à la caméra. Ça va être horrible. On va vite le retirer. Vos amis, je sais une double à Petite Poutine. Une commande à livrer près d'ici, à Vauban, je crois. Même pas. Entre Vauban et Natio, je crois. La seconde à livrer entre LM et FIV. 9,30€. C'est pas mal du tout. J'ai clairement, je me suis garé, j'ai sonné direct. J'ai pas eu le temps de me garer, en plus c'était la seule place qu'il y avait. Là on va à Petite Poutine, j'espère que j'aurai une place pour me garer justement. Vu qu'on est des gentilles personnes qui se garent sur les places de livraison, hein, c'est très aimable. On va se mettre là vite fait et moi je cherche le commandement. J'arrive. On est parti. Hop là. Tac tac, je valide ces deux commandes. Et c'est parti pour la première qui est... Ouais, c'est ça, au Rue Nationale. Là, il faut que je fasse une petite marche arrière en espérant qu'il n'y a personne. Donc, cette première double commande de la soirée. Et notre troisième de la soirée aussi. Bah, arrive comme par hasard, la route qu'il faut que je prenne. Bah ouais, j'ai toujours de la chance comme ça de toute façon moi, j'ai toujours de la chance. Toujours. Travaux. J'ai toujours de la chance, c'est bien connu. C'est bien connu, j'ai toujours de la chance. Je suis dans la droite. Ah non, tu tournes pas à droite, tu vas à droite, t'as pas le choix. Ça dehors il fait pas froid, il fait un peu frais, mais c'est pas froid. Parce que vraiment ces derniers jours là il faisait glacial. Je pense que ça devait faire 2 semaines, il faisait vraiment glacial. Donc là, là ça fait du bien quoi. Il fait quasiment 10 degrés, on a gagné 15 degrés en 2 jours là, même pas en quelques heures. Allez madame, vous êtes déjà à moitié engagé, de rien, madame. Madame de rien. Allez, on arrive chez le client, je vais juste me mettre au coin. Là. Allô? Oui, bonjour, c'est Liva Weber, je suis là. Ouais, je descends. Merci, à tout de suite. Du coup, la première livraison est terminée, du coup, on part pour la seconde adresse, qui est à LM, à 4,7 km selon Waze. Et 4,1 selon Uber. Donc on a été assez vite à la livrer cette commande, parce qu'en général pour venir par ici c'est toujours long, il y a beaucoup de feu, les routes sont... Bah, faut faire des zigzags quoi. Donc
je me suis dit, bon, cette commande, on va mettre un peu de temps à la faire. Je l'ai pris parce que je me suis dit que, quand c'était calme, il valait mieux prévoir justement et prendre une commande, même si c'était calme, enfin, même si, voilà. Je ne savais pas trop encore, mais je ne pourrais pas prendre de risques. Je l'ai fait avoir, de poser des commandes et tout, pour me dire, oh, j'aurais mieux, pour finir rien avoir. Alors, maintenant, j'ai compris la leçon, je prends. Donc là, on est pratiquement chez la seconde, chez le second client. Là, c'est la seconde. Oui, non. Oui, bonjour, c'est Livre Hubert, je suis devant. Ok, j'arrive tout de suite. Merci, tout de suite. Cette fois, c'était bien lui. Le deuxième essai, c'est le bon. Hop là. Allez, bah voilà, cette seconde livraison est terminée, du coup. On passe à la suite. S'il y en a une. Mais oui, il y en a une, bien sûr, on va pas rater la vidéo, il est 20h15. On est pour qui? On est dans un quartier, il y a des commandes parfois. Parfois. Est-ce que là, on va en avoir une? Bonne question. Là, je sais une commande, les amis, mais j'hésite. Je vais la prendre. Tant qu'on va jusqu'au bout de la route. Si j'ai rien à ce n'est d'autre au bout de la route, bah, je la prends. Bah, je veux dire, si j'ai pas sonné de double avant le bout, de la route, je l'annule. Voilà. En fait, j'aimerais bien l'avoir en double. Double commande, ce sera plus intéressant. Si une commande à 4,8 km, oui, ce sera plus intéressant en double. Si on peut sonner plus 4, plus 5, plus 6, plus que ça d'ailleurs. Plus 3, des fois, c'est peut-être intéressant. Après, moins de plus 3, ça me paraît compliqué. Non. Visiblement, s'il y aurait une double dans le coin dispo, je l'aurais déjà sonné. Ouais, je la prends. Ouais, je la prends. J'ai peur qu'on n'ait pas de commande en fait. C'est jamais, hein. C'est jamais. En ce moment, c'est assez tout ou rien. Alors, on va y aller. On va la faire. Bah, en fait, pour vous expliquer rapidement, le but de me garer là, au coin de la rue, c'est qu'on part en coupant en faisant moins de kilomètres qu'annoncé. Ah, du coup, j'ai couru. Donc voilà, donc, la commande était prête. Pour une fois, hein, je n'avais pas vu qu'elle était prête. Pour moi, elle ne l'était pas du coup. Mais écoutez, elle l'était. Donc écoutez, le bénef. Du coup, bah, on est parti hein, pour livrer cette commande. On a 8 minutes de route. Vu que j'ai coupé. Ça nous fait gagner pas mal de temps. Allez, bah du coup cette première commande est livrée. Ah cette première. Quatrième déjà. Ça me paraît, c'est un enfant qui est venu me chercher la commande, il devait avoir 11-12 ans je dirais. Il vient, il me fait. Avec sa petite voix, il fait. Je donne le sac, il fait. Il y a Manaïsti avec. Je fais, oh oui, sûrement dedans, je sais pas. Du coup il a ouvert devant moi pour vérifier qu'il y a Manaïsti. Je suis choqué. Vraiment, je suis choqué. Bon, bah écoutez, on me donne ça, je livre ça, c'est tout. Hein. Du coup bah on repart dans le centre, vers le centre, on va voir si on tient une commande sur la route. Du coup on est déjà à 20€. Écoutez, il est 20h36, on a fait 20€ en une heure. Pour un lundi, mais écoutez, ça me paraît très bien. Donc, je vais laisser la GoPro un peu refroidir, je vais la couper. Et déjà une commande, je vous reprends. Suite. Bah parfait. 6€. On sonne une commande à 6€. Impeccable. On va essayer d'attendre une double quand même. On va attendre 2-3 minutes, voir si on peut en sonner une double. Ah. Ouais, pas fallu attendre longtemps. Alors je vais juste cadrer l'adresse du coup. Ça va bien. Ouais, les deux sont bien là. Donc on a 10€. Chercher la commande, j'arrive. Pas quelqu'un qui va me laisser passer? Non, bah non, c'est bien connu. La courtoisie, ça n'existe plus. Ça n'existe plus la courtoisie, voyons. Et encore moins de la part des vélos. Ah, les vélos, la courtoisie, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Contresens. Non, mais. La courtoisie de la part des vélos, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir la courtoisie de la part des vélos. Jamais. Alors, on arrive déjà au second restaurant. C'était à côté. Hein. J'arrive, les amis, je suis à quoi. Re, les amis. Commande, elle s'est fait désirer. Oh merde. La commande, elle s'est fait désirer un petit peu, mais là, ça y est, on est parti du coup. C'est parti, let's go!
Bon, bah écoutez, je vais pouvoir appeler la première cliente. Je sais si c'est un client ou une cliente, mais c'est une cliente. J'appelle tout de suite la première des clientes. Oui, bonjour, c'est Livre Hubert, je suis là. Oui, merci. Merci, à tout de suite. Au revoir, merci. Écoutez, cette première commande est bouclée. On part à la suivante. On va faire un petit demi-tour juste ici. Hop. On est à 3 minutes de la seconde adresse, donc écoutez, c'est incroyable, c'est très vite. Plus 4 euros m'a fait attendre 10 minutes, mais voilà, je pense que ça valait le coup. Allô ? Oui, bonjour, c'est Livre Hubert, je suis là. Vous êtes là, déjà ? Ouais, déjà, hein. C'est efficace. Vous êtes en voiture ? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, attendez, je vais ouvrir la grille. Ah oui, ok, c'est la résidence. Ça marche. Je rentre en voiture dans la résidence. Comment? Je peux rentrer en voiture dans la résidence? Non, tu peux rentrer, oui. Juste retrouver les clés. Ouais, pas de soucis. Et après, dedans, je vais où du coup? Je vais vers où? Tout droit? Bah, vous avancez un petit peu jusqu'à l'allée. Il y a une allée sur votre gauche. Et on finit à vous rejoindre là. Ok, ça marche, pas de problème. C'est juste histoire de pas bloquer la route dehors. C'est tout bon. Parfait. Parfait. Ouais, bah, je vais attendre à l'intérieur, ça marche, merci. Les amis, on va attendre que le fils au client descende. C'est bien d'avoir une résidence comme ça, ils sont au calme dans les immeubles. Puis il y a des arbres, c'est bien arboré, c'est joli. Joli comme résidence. Bon, du coup, cette troisième livraison est terminée. C'est très calme, du coup, il est déjà quasiment 22h. Du coup, bah, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, malgré que ce soit un peu calme. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, c'est toujours hyper important pour moi et le développement de la chaîne. Et puis nous, on se dit à très bientôt, les amis. Thank you.